Yosh, salut tout le monde, c'est Camille pour le 69e épisode de Final Fantasy IX. Du coup, qu'est-ce qu'on devait faire, je sais plus. Déjà il est 17h et quelques... 17h02 chez moi. Oh, vous en foutez. On s'en va, je crois. On doit partir, ah oui. Alors, est-ce qu'on va aller au métro? Je ferais juste aller... c'est là le métro ou pas? Je sais plus. Ah. Oui, commerçant. Ah, parce que j'ai regardé la fin de l'épisode précédent tout à l'heure. Oui, pour me remettre un peu dans le bain. Quand même, ça faisait une semaine que j'avais pas retouché au jeu. Bonjour madame. C'est quoi ça? À présent qu'on a perdu le quartier ouvrier, il faut chercher un nouveau concept dans le domaine de l'architecture navale. Ça ne t'intéresse pas? Mais non merci, non. J'ai autre chose à foutre, genre sauver le monde. Je suis où? Ah, je suis là. Bah, en plus, c'est la sortie. Je voulais juste voir un truc avant. Bouge. Voilà, c'est ça. Je savais bien. Ah, c'est toi, Kumena? Où t'étais parti? Tu tombes bien, Titan. Elle est vraiment affreuse. Aide-moi. Qu'est-ce que tu racontes, imbécile? Tu la connais? Ouais, je la connais pas mal. Je suis désolé, mais elle a essayé de partir sans payer. Partir sans payer? Mais tu m'avais dit que je pouvais l'écouter. Tu rêves ou quoi? Si, je suis pas sûr de parler. Goûter un peu pour en essayer la saveur. Qui t'a dit de tout manger? Mais calme-toi, c'est normal que tu sois en colère. Alors, ça fera combien? Ça fera 100 giles. Fais-moi vite. 100 giles? D'accord. T'as abusé. Payer à regret 100 giles. Emmène-la, le plus vite sera mieux. Allez, viens, Kuna. Merci, bien. Je te suivrai jusqu'au bout du monde, Titan. Ah, si tu veux. Bon, je récupère Kuna. Ok, c'est ce que je voulais voir. Si tu allais à la plage, tu aurais une belle vue sans la brume. Les cornichons d'ici sont les meilleurs. Ok, c'est ce que je voulais faire. Absolument, c'est cool. Du coup... Et arrête, tu peux pas sortir du château n'importe quand. T'es sérieux? Pas que j'aille chez les mages noirs, là? Bon, bah... quartier... On va aller au château, on va retourner au château. Je suis naze. Pardon. Accélération, hop là. J'ai accéléré un peu. Ok, on va aller voir là-bas, il n'y a rien. On va aller retourner voir Sid. Mais bouge, ouais. Premier étage. C'est quoi tout seul? Dragon terrestre. Ah. Ils n'ont pas caché quelque chose là? Eh si. Bonjour. J'ai l'ordre de ne laisser entrer personne. D'accord. De laisser entrer? Ouais, mais moi si je veux sortir. Porte dragon aquatique. Euh...
quoi de l'autre côté? Je regarde s'il n'y a pas des cadeaux. Partez en vaisseau, je voyage. Ah, c'est la sortie, ok. Je vais juste regarder de l'autre côté ce qu'il y a. Hop, d'accord. Un brassis marin, je pense. Ah, d'accord, ok. Bon, bah, j'avais pas le choix. Bon, bah, cool, brassis marin, qu'est-ce que c'est? Équipement, Quinard, on va se faire un auto. Auto. Ok. Là, j'en ai du stuff. Un brassis marin. Neutralise sacré. Bracelet orné de plumes de chiméra. Neutralise sacré, d'accord, ok. Oh, le méta. Putain. Sa majesté vous attend à bord du vaisseau. Veuillez monter par l'échelle avant. Quand sa majesté m'a demandé de le préparer, j'ai cru que ce serait impossible de le faire en si peu de temps. Mais après avoir raté l'essai de l'île d'Ardeux, je n'avais rien de spécial à faire et sa demande m'a fait tuer le temps. Bon, bah on va grimper. Je n'arrive pas à aller droit. Monter. Yeah. Ah, il est bien entretenu. C'est pas trop tard, on t'attendait. Hein? Franck, qu'est-ce que tu fais là? On m'a demandé de t'attendre. J'avais pas pris la bonne bouche, j'avais pas. C'est Bac, il y a un plan? Le chef m'a ordonné d'être là, mais celui qui l'a demandé au chef. Hein? Mais celui qui l'a demandé au chef? Ah oui, au chef. C'est moi, quoi? Il ne faut pas abandonner un navire comme ça pour aller se promener, quoi? En bref, je suis à votre service. Grenouille! Ça te ressemble pas vraiment. Elle parle! Allons-y, quoi? T'as pas l'air en forme, c'est parce que t'es toujours une grenouille? Je peux la manger? T'inquiète pas, quoi? Ah, j'y pense. Tant que t'es à bord, tu peux modifier ton équipe en venant me parler, quoi? On s'en va. T'as choisi notre destination? On va au village des mages noirs sur le continent extérieur. Si tu sais plus où on est, appuie sur Bac. Merci. J'aime bien le dialogue. Quinan. Alors, un mage. On va mettre un heal. Et, alors, Daga, j'aime bien. J'hésite. Deux heals, je pense que je vais prendre deux heals. Ça va être mieux. Voilà. Steiner, ouais. 23, 21 et 16. Ah, t'es un peu à la ramasse. Ouais, on est pas mal. On est pas mal. On va juste... Stuff, on... Bah, tant pis. Avancer. Intérieur du vaisseau Y. Reculer. Débarquer. Changer la carte. Ok. Oh, oh ouais. Caverne, forêt, éclairable, Messia, caverne, porte nord, Dali. Ah, ça va être là-haut. En fait, il a dit dans l'autre continent. Et là, j'ai ma joie, c'est ça. Yes. C'est assez sympa. J'aime beaucoup le pouvoir me déplacer maintenant. Au bout de 15 épisodes. Au bout de 70 épisodes quasiment. C'est assez sympa. Je suis en train de regarder où on se met. Il y a des petits îlots, c'est joli les petits îlots. J'aimerais bien que t'es là. On est emmerdé, papa. Par contre, je pense pas qu'il y ait, qu'il y ait une bonne connexion. Hein, là. Et le village des mages noirs. Je vais pouvoir débarquer où, moi? Ah, je peux avancer avec le joystick, d'accord. Je me. J'appuie sur A. Derrière, je peux passer derrière ou pas?
Ah voilà, c'était là. Débarquer, c'est Y. Non, c'est intérieur du vaisseau. Merde, débarquer, c'était B. Vas-y, vas-y. Tu sais où on va? Oui, oui, je sais où on va, mais je sais plus quoi, c'est la bonne touche. Débarquer. Ah, merci. C'était là-bas, je crois. Ah oui, oui, il y avait des combats. Ouette. Ah. Ah oh ouais, tu vas attaquer, ouais. Ah ouais, ça va, il fait pas mal. Vol raté, flûte. Boum, raté, non, t'es sérieux. Ah, c'est ce qu'il a mis à Jiden. J'ai pas la contre-attaque, par contre. Tornade. Poisson. Allez, on va faire un soin standard. Ah, du dame. Ah, d'accord. Je vais attaquer parce que. 608. Oh, oh, oh. Vas-y, on va attaquer. Raté, mais vous êtes sérieux? Il a... 160. Ah, c'est Bibi qui tape. Critique, what? Ah, bah voilà! C'est un Jiden, qu'est-ce qu'il est bourrin! Hein. De belles personnes. Oh, Daga, t'es pas loin. Feriat. Alors, je sais plus, fallait aller là où il n'y a pas les hiboux ou là où il y a les hiboux. Les hiboux. Les hiboux. Qu'est-ce? Oh. Vas-y, juste attaquer. On va le faire en standard. Oh pff, vas-y, cache. Daga, le prochain combat, normalement. Entrer dans le village des mages noirs. Oh, bah on arrive là direct. Y'a quelqu'un? Mais j'ai pas fait la bonne voie, je crois. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais les chercher. Ah, ça y est, je peux me bouger. Bonjour, le magasin. Il n'y a personne. Bon. C'est chelou. Ah, je peux voir quelque chose. Je suis pas sûr. Il y a pas un coffre derrière? Ah non, il est déjà vu, je l'ai déjà visité le coffre. Voilà, mon bibi est parti par là, je suppose. Voilà. Où sont partis tes amis? Tout le monde est parti avec QG. Seuls les deux amis qui s'occupent des chocos bébés et moi sommes restés au village. Pourquoi ils ont suivi QG? Deux mes amis ont pris conscience de la limite. QG leur a promis de prolonger leur durée de fonctionnement. Il a abusé de leurs points faibles. Je comprends pas. Pourquoi ils ont confiance à QG? Ils font confiance à QG? Ils ont oublié combien ils leur avaient fait du mal? Ils nous traitent comme des objets? Nous ne serions que des objets fabriqués pour obéir aux ordres des hommes. Ben arrête, c'est ça. Où QG les a-t-il emmenés? Je peux pas te le dire. Je veux pas les trahir, mes amis. Alors pourquoi tu restes ici? Tu m'as dit qu'il y avait encore deux autres? Bon, on va aller choper les autres. Hé, hey, Bibi! Ah, bah, faut que je cours aussi. Du coup. 17h17. Oui, pardon, 17h17, vous savez comment ça se passe. Oui, mais si j'avance pas, du coup, ça va pas être très bon. Sérieux? J'ai fait toutes les baraques?
Je vais retourner au début du village. Est-ce qu'ils sont où les bébés chocobos? Ah, raté, c'était pas là. Putain. Ah, c'était ça. Je peux pas laisser le bébé dans ce village. Et là, c'est là que je... Ah, c'est ça. Ouvrez-moi! Bébé. Ouvrez là! Ah, Choco bébé est sorti. Ah! Attendez! Il me ferme la porte au nez, cet enfoiré. Choco bébé. Il est sorti. Il est sorti. Il est sorti! Il est sorti! Vraiment, vraiment, il est sorti. Il est vraiment, il est sorti vraiment. Pourquoi vous n'êtes pas parti avec Cuja? Parce que nous devions nous occuper de l'œuvre de Chocobo. Nous voulions aller avec eux, mais nos amis nous ont demandé de nous occuper de l'œuf. Je l'ai gardé et l'ai couvé. Je vais montrer le petit à nos amis. Nos amis seront contents de le voir. Et nous devons lui donner un nom. Qu'est-ce que c'est? C'est bizarre. Je me sens aussi... Ils sont chelous, les mâchoires. Tu es resté ici parce que tu voulais pas laisser l'œuf tout seul? Je sais pas. Je ne sais pas pourquoi. J'avais vraiment peur de m'arrêter. Je voulais avoir recours à Cuja. Mais... j'ai pensé qu'il y avait des choses plus importantes. Et... je peux te poser une question? Non, j'ai pas fait... Oui? Je m'arrêterai un jour, moi aussi? Je sais pas. Cuja disait que les prototypes des mages fonctionnaient plus longtemps, à part... plus longtemps que nous. Mais on s'arrêtera quand même un jour. Quand mon grand-père est mort, je me suis demandé que voulait dire sa mère. Il m'avait dit, Bibi, je mourrai un jour, mais c'est pas une chose triste. Alors je pense que si sa mort me rendait triste, ça serait ma faute. Quand on m'a raconté que des mages s'arrêtaient, je ne me suis pas senti triste. Je savais pas. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que j'ai réellement ressenti? Quand la mère de Mzeldaga est morte, en la regardant pleurer, je pensais que... c'était ça la vie et la mort. J'ai pu penser ça parce que je ne suis pas une arme et que j'ai un cœur à moi. Je comprends pas beaucoup de choses, mais je suis content d'avoir compris un peu ce que je suis. Donc, je supporte pas ce Cuja, qui nous traite comme des armes. Si les mages noirs se laissaient pas avoir par Cuja, ils comprendront qu'ils sont pas des armes. Bibi. À l'est de ce continent, vous trouverez la base du Cuja. Partez en bateau vers le sud du continent et cherchez l'endroit où débouchent les sables mouvants. Merci. Merci à vous. Est-ce qu'un jour nous serons aussi forts que vous? Alors... Bibi cherche une réponse. Une réponse à ses questions. Mais moi, qu'est-ce que je fais? Avec Jidan, je pensais que je changerais. Devenir la reine d'Alexandrie redémarrer plus forte. Mais rien n'a changé. Je ne connaissais toujours pas le monde et ne sert toujours à rien. Je ne pensais pas que Bibi songeait à des choses pareilles. Daga? Tu as entendu Daga? Maintenant, il est plus pleureux. Daga? Tu penses à ce qu'il a dit? Bibi est toujours Bibi. Personne ne peut te remplacer, Daga. C'est rien, t'en fais pas. T'avais pas le choix. Ah, Jidan! Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Bon. Allez, on y va. On va à l'est du continent, là où arrivent les sables mouvants. Oui, à la base de Cuja. Ah, j'ai peut-être cette petite piste, je sais pas. Ah, fail. Ah, c'est cool, c'est marqué sur la carte. C'est... Okay.
Allez. Ouais, Jidan, remettre tout, tout en calotte, tout simple, pour ne pas s'embêter. Oh, il y a une rafale. Raté. T'as comme 4, c'est cool parce que c'est... Comment bloquer Daga mal concentré? Ah. Tu sais? Mistral. Bon, on garde un peu de pouvoir. Thorn, putain, mais le, il attaque deux fois, pourquoi? C'est pas normal. Jidan, ça va, il va prendre 200. Comme ça, 300. 264. Oui. Comme bloqué, Daga mal concentré. Mais c'est quoi? Pourquoi Daga se concentre pas mal? Si Daga est atteint de mutisme, ça on est au courant. Level up, Daga! Péridote. Du coup, j'aimerais bien refaire un combat juste pour voir Daga. Ah non, d'accord, le point bleu c'est mon bateau. Alors, juste un combat s'il vous plaît. Un combat, merci. Alors, je vais juste voir si je peux invoquer avec Daga. Echo. Vas-y, attaque simple. Que tu vas voler. Invoquer Ramu. On va voir si ça réussit. Électrosphère sur Jidan. Non, il suit. D'accord. Vol raté. Yornir. C'est cool. J'ai eu un peu peur qu'elle ne serve à rien en fait, Daga. Salut, normalement, ouais, c'est ça. Au moins, on aura vu. Ça va être test. Critique, Bibi. Bien en forme, hein. Poudre plus. Sur Jidan, sur Jidan. Oh merde. Soin. Voilà, ça sert à rien, mais voilà. Papapapam. Et 315 pour beaucoup de personnes. C'est plus long là par contre les levels. Hein. Hop, et c'est là-dessus qu'on va faire. Voilà, une sauvegarde. Sauvegarde, oui. J'ai accéléré le... Je suis en mode accéléré. Yes! Merci. Bon, et moi je vous donne rendez-vous pour la suite au prochain épisode de samedi. Allez, ciao tout le monde!